Je fais des énormes bisous, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un gros j'aime si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo. Clara parle moins vite. Voilà la vue d'ensemble qu'on a en rentrant dans ma chambre. Évidemment, c'est flou. Donc là ici il y a un petit tableau que mon papa a acheté, je ne sais où, je pense que c'était à une vente quelconque de tableau, et je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une très jolie femme sur un beau vélo, enfin bref, j'aime trop l'ambiance du tableau. Ensuite ici de ce côté là il y a mon radiateur, je vais fermer la porte, il y a mon radiateur, mon panier de linge qui est beaucoup trop débordant, un parapluie de lumière et un trépied et un gros nounours qu'une abonnée m'avait donné. Et ensuite, voilà en gros ce qu'on voit, mon meuble, mon lit, mon bureau. Donc voilà, on va commencer par ce meuble-ci. Alors, c'est un meuble de chez Ikea. Et ici, c'est un meuble aussi de chez Ikea que j'ai attaché. Alors, ici ce qu'on a, je vais peut-être me rapprocher, ça va être plus simple. Il y a un tableau, bien sûr, une photo de mon papa et moi, et de ma maman et de ma grand-mère. Et ici, une pochette Forever 21. Ici en bas, c'est un peu le bordel. Ça, c'est ma grosse pochette pour ma caméra, un sac, du sable et un truc de lumière. Voilà. Ensuite, ici, il y a mes bijoux, mes montres. Là, c'est Twitter qui m'avait donné ça là-bas, j'aime beaucoup. Believe, un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire. Avec un petit chien trop mignon. Et voilà, j'aime beaucoup ça, ça vient de chez Urban Outfitters et je l'aime beaucoup. Et ensuite en dessous ici, il y a tous mes trucs de caméra, donc tous mes recharges, mes caméras, mes batteries, mes micros, tout ça. Ici de ce côté, j'ai mes livres préférés, que ce soit anglais ou français, et des livres de youtubeuses que j'ai reçus. Mes poids de sport qui ne sont pas censés être là, mais bon, je les ai mis là. Un porte, enfin un dessous de verre, il y en a deux, et avec un petit truc que Rose Carpet m'a donné où on peut l'allumer, ça s'allume mais je l'allume jamais. Ensuite ici c'est un peu le bordel aussi, alors ici là c'est tous les trucs papeterie. Ensuite en dessous il y a ma boîte à souvenirs, donc les trucs importants, puis après là il y a des trucs vides, c'est un peu le bordel, mais voilà. De ce côté il y a tous mes parfums et mes lotions. Que ce soit échantillon ou parfum ou brume. Et en dessous ici il y a toutes mes pochettes. Et après il y a les thés détox que je reçois, les machins et tout. Mais en général c'est toutes mes pochettes que je prends avec moi en voyage. Donc voilà. Et au dessus ici donc il y a un mascara, c'est pas censé être là. Il y a ma Polaroid, un carnet. Là j'essaie de faire en fait de mettre du sable dans tous les pays où je vais. Donc Vietnam, Brésil. Ça c'est un truc qui vient de chez Maison du Monde. Ça c'est une abonnée qui me l'a donné. J'ai une app si tu passes par là. C'est des lettres à ouvrir bah, quand je suis contente, quand je suis malade, quand je suis pas contente et tout. Du coup c'est trop chou. Ensuite il y a encore des sous de verre. Là il y a un petit tableau. Voilà, que j'avais dans mon ancienne chambre. Ici il y a mes lunettes de soleil. Les plus ridicules aux jolies. Celle-là c'est une abonnée qui me les a offertes et je les porte tout le temps. Ça c'est un petit carnet. Mon cadre pour les 100 000 abonnés, mon Melty Awards que j'ai eu l'année dernière. Là c'est des lunettes, mes lunettes, et j'en ai perdu une paire. Ensuite ici,